tout le monde peut dire dans Maurice, mettre l'ordre, rétablir sécurité, law and order, casse les reins trafiquants, Civitex, la drogue. Moi, j'ai 40 bananes l'expérience derrière moi. Jamais on ne senti autant dans ce pays Maurice-là un désir unanime. Tout le monde dirait neuf, ils est neuf. Mettre l'ordre, redresser, mettre discipline. Laisse tout le monde sentir en sécurité. Et mon compte, le ralliement des forces musulmanes, vous lui donne un coup de main de sa côté-là. Beaucoup de faire. Côté trafic, la drogue et Civitex, côté casino, maison de jeu, côté violence, crime, law and order. L'année-là, il commence mal, l'année-là, il finit bien. Et pour qu'il finisse bien, il ne faut pas juste pas de parti politique concerné, mais ben, l'organisation comme un ralliement des forces musulmanes, ça qu'elle donne ce coup de main. Premier coup de main qui m'a vous dire, comme toujours, c'est l'unité en toute communauté. Dans un pays comme Maurice, si vous prenez l'unité en toute communauté, vous ne pouvez pas la paix, vous ne pouvez pas progrès. Nous tous les autres pays, comme le Liban, explosé. Ça qu'elle vous a donné sur vous. Seulement, pour qu'il y ait une vraie unité entre toutes communautés, il faut que chaque communauté licencie qui sa dignité et son droit paix respecté. J'ai une communauté qui senti à servir moi comme un masque. Après mon droit, mon dignité pas respectée, et n'a malé à la dent. Faut des premières quelque chose qu'il faudrait. Vis-à-vis d'un pays comme Maurice, c'est l'unité entre toutes communautés. Mais pas pour une unité, vraie unité entre toutes communautés, si chaque communauté n'est pas senti qu'il y a une dignité et son droit respecté. L'éducation, un travailleur social a un droit de donner un coup de main spécial dans l'éducation. Et pas si c'est un droit, un devoir. Nous tous connaissons l'éducation. Ça même tremplin vers progrès. Vous n'êtes pas capable de dire votre misère. Mais si vous réussissez à débrouiller vos enfants, gagnent l'éducation qui est bizarre, ils vont aller loin. Aussi, dans la salle là même, combien pénant. Simple travailleur, travailler à l'école, travailler à transport. Vos enfants, docteur, une professionnelle, une vie avocat. Mais nous, système l'éducation, malade. Le système d'éducation pénalise les enfants en misère. Dans le gouvernement, nous commençons à reprendre et compléter la réforme de nos systèmes d'éducation dans l'intérêt des enfants malheureux. Ça, c'est un grand problème qui concerne toute la communauté. Mais Reza Talerain, tout ça nous démontre, c'est un problème qui concerne la communauté musulmane en particulier. Beaucoup mentionné l'organisation pèlerinage sacré de Hajj. Quand pour finir ça? Religion, Hajj, pas capable d'être business. Business qui nous arrive un jour, quand Hajj organisé, comment business organisé? On ne peut pas vous dire que tout bon organisateur, tout bon opérateur va nous bandir. On ne peut pas vous dire ça. Mais il y en a. Il y en a qui a abusé. Vous pouvez récolter l'information, le dernier Hajj qui finit là. L'Arabie Saoudite, il fait ce travail. Nous devons saluer l'Arabie Saoudite. Parce qu'il tient à ça l'épidémie, soit une flou là. Après, il y a une grande inondation, premier jour, Hajj même. L'Arabie Saoudite aime bien faire ce travail. Mais il y a beaucoup d'améliorations à amener leur manière qui, centre culturel islamique, gouvernement Maurice, donne sa contribution pour l'organisation de Hajj. Son privilégié, son condition, sur la santé, il y a beaucoup d'améliorations. Et je ne peux pas compter leur moyen. Je connais le cas contre le ralliement des forces musulmanes pour donner ce coup de main, leur va diffuser pareil aussi. Et Reza, tu viens dire, nous bons frères et nous bons sœurs, hawkers, marchands ambulants,
Combien d'années encore pour aller pour ça? Jouer boule, jouer football. Et pourtant, tu n'arrives à une solution permanente. Tu n'arrives à une roqueuse palace. Et capable de faire solution. Solution-là, il faut trouver avec l'association roqueuse, mais aussi l'organisation comme un ralliement des forces musulmanes qui, chacun de venir, donne son idée, donne son mouvement. Moi, je me cause hâte. Il y a une petite chose qui me dit dans presque chaque réunion, côté surtout, les membres de la communauté musulmane présents. Nous, Bizin, qui nous dit l'île Maurice, Vinement, de la seule et seule organisation qui regroupe tout le pays musulman, c'est l'organisation de la conférence islamique. Il regroupe plus que 50 pays. Et là-dedans, il y a des pays comme Guyana, Guyane britannique, Guyana. Il y en a 12% de sa population seulement musulmane. Il y a dans cette organisation-là. Là, ce président, il y a en Turquie, il y a en Iran, parce que Guyana fait partie, membre à part entière de l'organisation de la conférence islamique. Nous avons beaucoup à gagner. Dans l'organisation Hajj, nous sommes capables de gagner un grand coup de main avec l'organisation de la conférence islamique pour nous mieux organiser le Hajj. Et beaucoup les autres, mais nous sommes capables de gagner dans l'éducation. Un camarade d'Union musulmane présent, nous ferons une réunion dans l'Est, il y a des ans de cela. Docteur Rachid Bibidjan, tu présent. L'État me cause ça, il cause après moi, il dit oui, il est d'accord avec lui dans l'opposition, une bonne affaire ça, il Maurice Tibizan, mais membre de l'organisation de la conférence islamique. Moi, pour cause avec le Premier ministre, le docteur Navin Ramoula, suite. Et puis ça, on. Depuis ça, il y a beaucoup de ça. Docteur Bibidjan, pas tant de tout ce des oreilles fermées. Qui fait? Nous avons différentes communautés dans Maurice. Nous relâchons avec l'Inde. Il est extraordinaire. Nous relâchons avec Madagascar, avec Mozambique, avec la Chine, avec la France. Nous avons grandi pour une chose de ce pays, là, nous relâchons extraordinaire, mais ça empêche nous de développer de nouvelles relations. Comme une organisation, comme l'organisation de la conférence islamique. Et il peut être juste la communauté musulmane, il peut être d'abord la communauté musulmane, mais il peut être tout l'île Maurice en général. Alors ce soir, on arrive un peu tard, nous lance le ralliement des forces musulmanes. On souhaite le ralliement des forces musulmanes, bonne chance, bon travail, beaucoup de travail et d'affaires à faire. Beaucoup de travail à faire pour l'île Maurice en général et pour la communauté musulmane en particulier. Il bien qu'il y ait du monde dans ce pays-là. Bien avec du monde dans ce pays-là. Il bien faire fausse promesse dans ce pays-là. Mais on connaît une cause qui dit tout ce qui vous envoie en l'air, il redescend ça. Quand on fait toute qualité fausse promesse, mais on vous paye les plus tard. Ou vous t'en jouerez plus tard. Vaut mieux aux causes de la vérité. Toute religion, presque même quelque chose. La vérité, l'amour du prochain, le partage, la paix, la fraternité. C'est pourquoi je souhaite bon sens au ralliement des forces musulmanes, au contre aux autres. Et il y a beaucoup de travail à faire pour redresser ce pays-là. Ce pays-là traumatisé. Ce pays-là perd quand il était là. Elle a beaucoup de travail pour faire pour redresser ce pays-là. Mon compte, le ralliement des forces musulmanes. Mon compte, la communauté musulmane. Mon compte, toute bonne communauté qui forme une nation arc-en-ciel. Ça, l'année 2010, là, il peut être une année bien, bien importante pour nous rétablir nos pays, pour nous mettre l'autre, quand nous aimons mettre l'autre, quand nous mettre la justice, quand nous aimons mettre la justice. Et que chaque Mauricien, Mauricien, chaque communauté, sa dignité, son droit respecté et nous allons de l'avant ensemble. Bonne chance donc au ralliement des forces musulmanes et merci à tous les travailleurs sociaux qui sont présents ce soir et qui aident ce pays.